Yes. Si ça c'est pas merveilleux, et mettre le son du jeu. Oh là là, mais quel pro! Quel pro! Merci. Merci, non, vraiment ça me touche. Vraiment ça me touche. Voilà. Donc, ça y est. On n'est plus dans. On a perdu notre bar. Notre bar dansant. Et maintenant, on est sur un bateau. Et on est capitaine du bateau, a priori. Il a tellement de charisme, ce Manny. Voilà. Il commence à chaque fois en bas de l'échelle. Et au bout d'un an, il a tout. Moussaillon. Oh là là, mais tout le monde est mort! Qu'est-ce que. Enfin, tout le monde a germé. On ne meurt pas. Dans le pays des morts, on Le germe. seigneur Nold n'était qu'un gosse. Désolé de vous avoir causé des ennuis, matelot. Je ne vais pas toucher aux indices. Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont buté tout le monde? Je n'arrive pas à y croire. Hey! Il est revenu! Tue-le! Service des douanes, ouvrez cette porte! Oui, nous allons vérifier vos sacs. Tout ira bien, capitaine. On ne risque rien ici. Bon, on place les charges explosives et on fout le camp. Ah. Ah. Si je comprends bien, on essaie de nous faire mourir. On veut nous tuer. C'est pas très sympa. Tuer les gens. L'Otis a fait du beau boulot avec ses vieux moteurs diesel. S'il était juste un peu plus puissant, nous pourrions partir d'ici sans problème. J'ai essayé, mais rien à faire, il n'est pas assez puissant. Hey, tiens bon, matelot. Je crois que le meilleur moyen de les faire marcher serait d'activer ces leviers, à l'opposé de la méthode main dans le cambouis. C'est boulonné. C'est boulonné. C'est quoi ces petits boutons là? Ça contrôle l'encre de bâbord. Ah! On dirait que l'encre est jetée. So. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de jouer au jeu. Ok. On dirait qu'il s'agit du moteur de bâbord. Glantis, que signifient tous ces relevés? Que tout va exploser, capitaine! Mais ça va faire mal! Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, on pivote. Ok, là on est revenu, là on était. Ça va être chiant. Va falloir tout tester. Regardez ça. Hop, on arrive à pivoter. Ensuite, on recule. On recoule ou on recoule pas? On recoule, recoule, ça sert à rien. Avance. Avance, ça sert à rien. Pivote encore.
Non, ça marche pas. Voilà, maintenant j'ai trouvé une véritable encre-rouille. Il est écrit inspecté par numéro 36. Une référence. Trop loin. Trop loin. Une référence au chapitre d'avant. Voilà, maintenant j'ai trouvé une véritable encre-rouille. Il est écrit inspecté par numéro 36. Donc. Dans le sens. Qu'est-ce que ça va faire ? Ah. Et là. Si. Coucou Bibi la diva. Si tu as vu, je suis déjà bloqué. je suis déjà keblo, ça y est. Voilà. Qu'est-ce... Hein ? Pourquoi ? Toi aussi ? Pas quoi faire. Qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai que ça. D'accord. Mais non, mais je voulais pas que tu la prennes. Range la tafo, range la tafo. Glantis, que signifie tous ces relevés? Que tout va exploser, que ça va faire mal. Je ne prends pas ça. Ok. Pourquoi il vient là quand je veux lui parler? Bonjour, je ne sais pas. Hijole, Lotis a fait s'il était juste à... Hey, tiens bon, matelot! Je sais pas quoi faire et... Celle de gauche qui a l'air d'être de prise dans celle de droite. Je ne sais pas. Ah bah oui. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre comme les deux goûts d'un malabar. Que l'encre est jetée. Mais non. Du coup, qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Qu'est-ce que se passe-t-il? J'ai aucune foutre idée de ce que je dois faire. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi tu me dis oui? Pourquoi tu me dis oui? Ah oui, tu as. Ah, de ton, je crois comprendre que de ton côté tu as réussi. Si moi. Je continue à galérer. Toi, pour toi ça marche a priori. Ouais. Et bah, GG. GG, bravo. Je peux rien prendre. Il se passe rien, je sais pas quoi faire. On dirait que l'encre est jetée. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre comme les deux goûts d'un malabar. Trop loin. Trop loin. Imbriqués l'un dans l'autre comme les deux goûts d'un malabar. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça, j'ai ça. Le moteur, on peut rien faire dessus. Je crois que le meilleur moyen de les faire marcher serait d'activer ces leviers, à l'opposé de la méthode main dans le cambouis. C'est solidement attaché. Là il tourne la tête. Il y a Glottis qui tourne la tête. Ouais non non il tourne juste la tête. Ah oui non ça c'est pour regarder par la fenêtre. Bon, clairement c'est ce qu'il fallait faire parce que maintenant je suis bloqué. Les deux sont attachés l'un avec l'autre. Mais qu'est-ce que ça me donne? Trop loin. Ils sont imbriqués l'un dans trop loin. Trop loin. Je peux pas les choper avec ma faux? Nous allons voir. Ah. Ah. Voilà ce qui arrive. Oh, je vais tout arracher. Ok. J'ai compris. Bouge tes oreilles, Glottis. C'était quoi? La ligne est pointillée, Glottis. La ligne est pointillée, effectivement. Effectivement. Si je continue à manœuvrer ces ancres, le bateau pourrait couler. Trop loin. Qu'est-ce que je peux faire? Trop loin. Ok. Si je continue à manœuvrer ces ancres, le bateau pourrait couler. Si je continue à manœuvrer trop loin. Trop loin. Je reprends ça. Si je continue à manœuvrer ces ancres, le bateau pourrait couler. Je ne veux pas abîmer ma lame.
Il part avec une moitié de bateau. Trop fort. Trop fort. Un petit peu plus loin, Glantis. Ah. Bah oui, il y a un moment... Il y a un moment le bateau il se remplit hein. Normal. Oula. Nous voilà au fond de l'eau. Mickey. Bon Glottis comme d'habitude hein. J'étouffe. Mira, pas de blague matelot. Tu peux parler toi, t'as pas de poumons. Hey. Tu as bien vécu un moment sans ton cœur. Tu peux te retenir un peu de respirer. Juste le temps que j'analyse la situation. Alors, oui. Ah. Bon. Oh. Et un bon. Oh Lola, j'étais une fois de plus laissé tomber. On parle à Glottis. Il tient bon. Tu vas bien? Je suis un esprit de la terre, Manny, pas de la mer. Accroche-toi, man. Oh Lola, j'étais une fois de plus laissé tourner sous l'eau et pas sur la lune. Je crois bien que l'est hors d'usage. Je t'avais dit que ce nom portait la poisse. Hey. Désolé. Tu es trop forte, mais... Attention! Capitaine, dans les profondeurs les plus sombres de la mer, des lamentations, vivent des monstres horribles. Les insatiables démons des grandes profondeurs t'avaleront dès que tu quitteras ce halo de lumière. Suis mon conseil ou avance d'un pas et apprends par toi-même. C'est bon, je te crois sur parole, mais arrête de parler avec cette voix qui me glace les os. Salut, salut Twinsen. En voilà maintenant. Hein? C'est qui? Parle. Amigo. Ah, qui? Mon Dieu, encore une épave. Vous voyez? C'est pour ça que je ne prends jamais la mer. On a eu des ennuis. Vous croyez pouvoir nous aider? Ça dépend du genre d'aide que vous recherchez. Pourrait-on emprunter un peu votre lanterne? Désolé, mais je ne m'en sépare jamais. Est-ce qu'on peut vous suivre? La route risque d'être longue, vous savez. Nous n'avons pas d'autre choix. Bon, d'accord. Levez ses genoux, suivez ma lanterne et essayez de chanter juste. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Qui flamboie, qui flamboie, qui flamboie. La cacher sous un tadalgue, non. Car il faut qu'elle flamboie. La cacher sous un tadalgue, non. Car il faut qu'elle flamboie, la cacher sous un tadal. Non, car il faut qu'elle flamboie, qu'elle flamboie, qu'elle flamboie, qu'elle flamboie. Hors de ma vue, monstre marin. Car il faut qu'elle flamboie. Hors de ma vue, monstre marin. Car il faut qu'elle flamboie. Oh là là. Car il faut qu'elle flamboie. Car il faut qu'elle flamboie. Il est en train de tourner rond, j'ai l'impression. Qu'elle flamboie. Je ne te laisserai pas la toucher. Non, car il faut qu'elle flamboie. Allez, je relou. Ne te laisserai pas la toucher. Non, car il faut qu'elle flamboie. Je ne te laisserai pas la toucher. Non, car il faut qu'elle flamboie. Qu'elle flamboie, qu'elle flamboie. Qu'elle flamboie, flamboie. Allez, relou. On avance ou pas? Ah ouais, putain. Je me doutais. J'ai bien cru que c'était notre bateau. L'océan a plus d'un tour dans son sac, fiston. Au bout d'un moment, tout finit par se ressembler et on tourne en rond. C'est oui, pas bah du tout oui. Le genre d'aventure que j'espérais. Disons que la randonnée maritime n'est pas pour tout le monde. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour rien. Hein. Pouvez-vous nous conduire à la perle? Ah,
Vous ne croyez tout de même pas à ce genre d'histoire? Vous pensez que quelque part dans l'océan, il y a une perle géante qui brille si fort que les bateaux peuvent la voir et que parfois, les marins envoûtés par son éclat se jettent par-dessus bord pour aller la chercher et qu'on ne les revoit plus jamais? Oui, je crois que c'est par là. Bon, je traverse cet océan depuis des années et je n'ai jamais... Ah oui, mais oui, il fait le tour. Il a 20 mètres carrés, le mec. Encore réussi pour moi. Trop bien. Je vous assure, cette perle est par là. Mais pauvre idiot, c'est la lune. Vous n'êtes quand même pas venu jusqu'ici pour essayer de pêcher la lune. Pêcher la lune. Vous pouvez appeler de l'aide? Bien sûr. Je vous promets de le faire dès que je trouve une cabine téléphonique. Une cabine téléphonique? Ah, ça, on voit que c'est un jeu des années 90. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de m'évader du pays des morts, quelle question! Depuis combien de temps êtes-vous ici? Eh bien, comment vous expliquer ça? Je n'ai pas toujours eu cette couleur. Yikes. Pourquoi marchez-vous au lieu de prendre un bateau? J'en avais marre d'attendre un bateau à Rubakava. J'ai pensé que ce serait mieux de cette façon. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Comment savez-vous où vous allez? Vous voyez la lune là-bas? Je la conserve toujours sur ma droite. Comme ça, je suis sûr d'aller droit. Mais c'est un vieux truc de marin. Vous êtes sûr que tout va bien avec vos sourcils? C'est des bernaches, fiston! Je ne me déplace pas assez rapidement pour m'en débarrasser. Mais ça ne me fait rien, elles me tiennent compagnie. C'est cocasse, non? Oui, effectivement, oui, c'est cocasse, oui. Où avez-vous trouvé ce corail? Au bord du monde! C'est le seul endroit où il pousse! Comment avez-vous fait pour que votre lampe reste allumée? J'ai trouvé un de ces coraux qui luisent dans la nuit. C'est incroyable! Ça luit comme un verre luisant et ça ne s'éteint jamais. J'en ai eu un aussi et j'en ai fait un superbe grappin. Ce n'était pas un pareil. Vous ne pouvez pas avoir été à l'endroit où je l'ai trouvé. Le doubleur de Glottis, c'est Christian Pélisier. Il est connu pour avoir doublé le capitaine Haddock dans Tintin. Ah, je reconnais pas la voix. J'essaierai de faire attention. Vous auriez dû atteindre la côte depuis longtemps. Traverser l'océan n'est pas une mince affaire, vous n'avez pas idée. Je l'ai déjà fait, mais en bateau. Un bateau? Ne me parlez pas de bateau. Qu'avez-vous contre les bateaux? Le nôtre était si chouette. Bateau! Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Quand on a une bonne paire de jambes, il faut s'en servir, non? Vous avez peut-être péri dans un naufrage. Si seulement ça avait été le cas. Non, ce qui nous arrive à fumer à pire. Des semaines qu'on est resté sur ce rafio pourri, sans vivre et sous un soleil de plomb. Nous avions commencé à jeter les morts par-dessus bord, mais les requins nous suivaient. Comment ça s'est terminé? De mon aventure, j'ai retenu trois leçons très utiles. Ne jamais prendre le bateau. Pour ce qui est de la navigation, ne se fiez qu'à la lune et aux étoiles. Et quand vous n'êtes plus que deux, surtout ne jamais s'endormir. Bon, je ne voudrais pas vous couper dans votre élan. À une prochaine fois. Méfiez-vous des monstres marins. Ces monstres-là. Ah, ils ne s'attaqueraient pas à Shepito. Je suis trop brillant pour eux. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Qui flamboie, qui flamboie. Tu vas bien? La cacher sous un dadal. Accroche-toi, man. Car il faut qu'elle flamboie. La cacher sous un dadal. Non! Car il faut qu'elle flamboie. La cacher sous. Si j'en crois la carte, ce doit être. Car il faut qu'elle flamboie. Qu'elle flamboie. Qu'elle flamboie. Si j'en crois la carte, ce doit être la perle. J'y accosterai bien sitôt que je le peux, mais il y a tant de récifs à éviter que j'hésite à le faire. J'y accosterai bien sitôt que je le peux, mais il y a tant de récifs à éviter que j'hésite à le faire. Ok. Il tient bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Non, je reste dans le fond. Mais un quoi? Si j'en crois la carte, ce doit être la perle. La perle. Alors voilà. Vite. Putain, je l'ai loupé. Faut que j'attende qu'il refasse un tour. Non? Je crois bien que les hors d'usage. Ouais, bah oui, je crois bien aussi, ouais. Mais je crois bien que je peux rien faire. Ils attendent à part attendre que l'autre il revienne là. Je peux pas le buter. Déjà, est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, j'ai que ça. Je ne veux pas abîmer ma lame. On va attendre que le machin y revienne. Si on lui met un grand coup de faux dans sa tronche. Si on y arrive. Allez, il est où? Ah. Ça s'allume. Il est pas loin. Cette âme a déjà été fauchée. Merde. Ah putain. Okay. Super. Je ne veux pas abîmer ma lame. Merde. On ne fauche pas les démons. Ok. Bon bah je vais réattendre machin. Pas grand chose à faire. Ah, ou alors faut que je suive. Ah. Vous savez que je me fais avoir à chaque fois qu'il faut que je suive quelqu'un dans un jeu. Oh Lola, j'étais une fois de plus laissé tomber. Je me suis fait tellement avoir dans Monkey Island. À attendre pendant des plombes alors qu'il suffisait juste de suivre le vieux. Bon. Amigo. Quoi? D'autres survivants? Je viens de voir une autre épave il y a à peine 5 minutes. Bon, je ne voudrais pas vous couper dans votre élan. À une prochaine fois, cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi, je la veux qui flamboie. Qui flamboie. Oh, arrêtez! Au secours! Au secours! Au secours! Trouvez-vous une autre lampe? Plus personne ne respecte le code de la mer. Je coupe. Je coupe. Du coup... Eh ben, on attend.
J'espère que vous amusez bien sur le stream. Hein. Qui flamboie, qui flamboie. La ta la 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 la. Qui flamboie, qui flamboie. Bon, il pouvait se dépêcher. Ah ouais, c'est à toi, hein. Je suis en train de m'endormir devant l'écran. Ah, mais, ah, on s'amuse, hein. J'espère que vous l'amusez bien aussi. C'est chouette, hein. Allez. Et il arrive. Cette âme a déjà été fauchée. Non. Putain, faut lui parler. Pour qu'il se retrouve. Enfin, pour qu'il aille. Oh là là. Moi, je m'amuse avec mon jeu. Et eh bah, ben, c'est bien. Ah, ma faux. J'aime l'avenir là où jadis battait mon cœur. Non, mais je trouve quoi. Je vais trouver quoi faire. Hein. En fait, je pense qu'il faut lui parler. Après, il se pointe. À la fin là, on sort la faux et on y découpe son machin quoi. Attends, on se fait chier hein. Tu vas bien? Je suis un esprit de la terre, man. Pas de là, accroche-toi, man. Et puis si c'est pas ça, et ben on ira avoir une solution. C'est pas tout, mais je me fais chier. Je me fais chier. Oui, oui. Parfaitement. Ah non, j'allais dire il arrive, mais non, en fait. Parce que moi, je fume ma clope. Je fume ma petite clopinette, là, donc... Bon. Oh, ça emmerde vraiment. Ah, lève-la, vite. Amigo. Quoi? D'autres survivants? Je viens de voir une autre épave il y a à peine 5 minutes. Ouais, c'est oh, ça. Je ne voudrais pas vous couper dans votre élan. À une proche, cette petite lumière à moi. Je la veux qui flamboie. Cette petite Allez. Lumière à moi. Je la veux qui flamboie. Cette petite lumière à moi. Je la veux. Je ne veux pas abîmer ma lame. Quoi? Cachée sous un tas d'algues. Non. Car il faut qu'elle flamboie. La car. Non. Il faut qu'elle flamboie. La cachée sous un tas d'algues. Non. Car il faut qu'elle flamboie. Non, non. Elle flamboie. Oh mec. Ah, c'est une... monstre marin, car il faut qu'elle flamboie. Ah, je m'as vu, monstre marin, car il faut qu'elle flamboie. Oh. Tu vas bien? Et je suis un... Bah, accroche-toi, man. Putain de merde. Quoi, ce connerie? Si j'en crois la carte, ce doit être. J'y accosterai bien sitôt que je le peux, mais il y a tant de récifs à éviter que j'hésite à le faire. Bon, allez, vas-y, Twinsen, parce que je vais pas rester là bloqué pendant des heures, ça va me saouler. Là, ça a l'air d'être de l'énigme à la con, et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ah, il faut que je bouge à ce moment-là? Ah, donc j'avais le bon truc tout à l'heure, en fait. Je l'avais chopé, mais il fallait juste que j'aille vers la gauche, en fait, pour vraiment tirer. D'accord, ok. J'ai pas fait gaffe qu'on pouvait contrôler le personnage à ce moment-là. Ok. Ok. I comprends. Merci. Ça va nous éviter de voir le streamer s'endormir en direct. Est-ce que ça a déjà été fait? Un streamer qui s'endort sur son propre stream. Vite, vite, vite. Non. Amigo. Hey, je te parle. Oh, il s'est barré ce connard. Oh putain. Oh putain, il s'est barré. Oh là. Oh. Oh, il s'est... oh on se fait chier.
Pourquoi j'ai pas sauvegardé en fait? Ah, j'aurais dû sauvegarder. Comme ça, si jamais il se remarque. Le jeu est fini. Eh bah oui, ça arrive. Ça arrive, des fois on termine les jeux. A priori, t'es un peu tristouille d'avoir fini ton jeu. Bon. Je vais jouer avec mes Switch. La 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 la. Ah mais il a pété en fait. Il a pété le Switch. Ah. C'est ça qui tient plus le con. Mais faut pas que... Mieux là du coup. Il arrive ou pas? Vous me dites hein, quand il arrive. Non, c'est pas encore. Putain, il est là, il est là. Amigo. Voilà, ah, amigo. D'autres survivants. Je viens de voir une autre éponge. Ouais, c'est ça. Moi, je la veux qui flamboie. C'est ça, ouais, je la veux aussi moi. Je la veux qui flamboie. Hop, je chope le merdier là. Je la veux qui flamboie. Oh, arrêtez. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Suis-moi. Où est-ce que vous m'emmenez? Sur la lune. Manissez. La perle! Youpi! Je savais que je la trouverais! Je suis riche, 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 riche! Chut, il se passe quelque chose. Mani, que se passe-t-il? J'en sais rien, mais je n'aime pas la façon dont cette chose nous regarde. Je refuse de descendre là tant que cette pieuvre est à nos trousses. Je ne pensais pas qu'elles avaient une si bonne vue. Ok. Le truc, on va sauvegarder. Hop, voilà. Voilà un moyen de transport idéal. On est sous l'eau et pas sur la lune. Je ne peux pas m'en approcher tant que ce monstre monte la garde. Ok, on va aller là-bas. On a ça, on a la pieuvre qui nous regarde. La légende du rocher gluant couvert de bernache est moins connue que celle de la perle. Quand je serai affamé à ce point, peut-être, je ne vais pas me retrouver en berlificoté. Ok. Seulement on avait un truc pour couper. Je ne veux pas abîmer ma lame. Oh mais merde, t'es chiant hein. Quoi? Pourquoi il fait ça? Quoi? Mais merde! Je lui demande de causer à machin? Non. J'ai des choses plus importantes à faire que de voler des bijoux. Pas moi! La légende du rocher gluant couvert de bernache est moins connue que celle de la perle. Oh, arrêtez! Ah, d'accord. Oh, arrêtez! Où allez-vous? Vous ne pouvez pas me laisser seul ici! Revenez ici! Elle revient vers nous. Allez, salaud!
disez-moi pas qu'elle sait s'en servir. Putain, la pieuvre géante sait se servir de... du sous-marin. Pas Glottis, j'en sais rien. Bah, il y a une société secrète. Il y a une société secrète sous l'eau là. Putain, c'est les Illuminati, c'est sûr. Du coup, Bibi, qu'est-ce qu'on a pensé alors de There Is No Game? T'as bien fait, c'est bien Wrong Dimension que t'as fait. Hein. C'est pas. C'est pas le jeu de Game Jam. Hein. Ah, j'ai hâte de le faire aussi. Hein. Je pense que je vais le faire juste après. Je pense que je vais le faire après Grim Fandango. Posez vos outils, on va se tirer d'ici. Ah, si Terry m'avait redonné son fameux livre, on pourrait vraiment faire un truc ici. Hey, salut Cactus, comment vas-tu? C'est cette pieuvre qui a engagé tous ces mineurs. Au moins, elle ne les a pas mangés. Posez vos outils, on va se tirer d'ici. Ah, si Terry m'avait redonné son fameux livre, on pourrait vraiment faire un truc ici. Ah, tu étais en train de lurker, Cactus. Et comment faire pour descendre sans être emporté dans le vide par le courant? Je pourrais te spoiler. Ouais, je pourrais t'enlever tes droits de modo aussi. Hein? Bah, je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire direct. Quoi? Oh! Alors? On peut remonter, ok. Je ne tiens pas à m'approcher plus près du bord. Je ne tiens pas à m'approcher plus près du bord. Je ne tiens pas à m'approcher plus près du bord. Ok. On a 41 000 signatures sur la pétition, on a 3 avancées aujourd'hui, c'est cool. C'est vraiment cool. Est-ce que tu expliques la pétition ou pas? Ok. Je fais des trucs en fait, je sais même pas... Ah, maintenant c'est dans l'autre sens. Et la hacha, c'est quoi? Ce jeu.
Mais non, mais oh, ça y est, ça y est. La meuf va se plaindre. J'essaie de lui faire parler d'un sujet important et intéressant. Qu'on puisse en discuter tous. Et elle me dit, oh là là, je suis pas Google. Va te faire foutre. Voilà, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Hein. Donc parce que oui, actuellement en fait, les sachant que c'est déjà adopté à l'Assemblée. Mais notre de ministre a demandé au sénateur de pas le voter. Je te taquine, alors je suis pas un petit chat. Elle est où Rabia d'ailleurs? Où c'est qu'il y a Rabia? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais retirer tes droits de modo, c'est tout. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Faut aller à la pêche en fait. Ça. Pas loin. Oh là là. Comment? C'est, en fait là c'est, ce truc il y a que des j'ai l'impression qu'il y a que des et que des vidéos. Oh mais Twinsen, est-ce que j'ai demandé des tuyaux ou pas? Tu as rien dit, mais si. Tu dis jamais rien. Tu dis jamais rien, mais regarde. Les gens à côté disent encore moins de choses que toi, en fait. Et tu vois, et comme tu peux le voir, Bibi a extrêmement envie de te ban. Donc, voilà. This is the final warning. Autant, tu vois, c'est très sympa quand je te demande. quand je te demande, voilà, t'es super sympa et tu me files un coup de main. Mais quand je demande pas, j'ai pas envie d'avoir de coup de main. Donc le fait de me dire, demande-toi ce qu'il faut que tu fasses, tout ça, j'ai pas envie d'avoir ce genre de commentaire. Quoi. Cordialement. D'autant plus que t'as pas fait le jeu et que t'es juste en train de lire une soluce. C'est sûrement ici qu'ils amènent le corail pour le concasser. Ou alors ce sont les plus gros et les plus affreux Big Woody que j'ai jamais vus. Je n'ai pas la force de les arracher. Ces trucs sont dangereux. Je serai broyé vite fait. Alors. Putain, il y a un rocher. Il y a un Ferrero Rocher là-bas. Va au Ferrero Rocher. Vas-y. Putain, mais qui les cons?
maintenant il veut mettre 10 pompes à y aller. C'est le bord du monde, soit, mais moi je cherche un port. Hein? Je pourrais sauter, mais jamais je n'arriverai à atteindre ce bateau. Je n'ai pas de levier assez long. Manny, il a pas de levier assez long. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Cette benne est plus lourde que mon dernier bateau. Ça ne se manœuvre pas à la main. Sans déconner. Ça ne se manœuvre pas à la main. J'ai fait quoi d'autre? Eh ben j'en ai pas fait beaucoup hein. En point and click. En fait, je me demande si j'ai fait Myst. J'ai fait Myst à l'époque. J'ai fait les Deponia, mais est-ce qu'on peut appeler ça un classique? Voilà quoi. Mais j'ai eu. J'ai eu Myst avec mon imprimante. C'est l'époque où c'est l'époque où on te filait des jeux avec ton imprimante HP. C'est quand même assez drôle. Non, je suis déjà au bord là. Avec les lecteurs CD-ROM, ça me paraît un peu plus logique. T'achetais un lecteur CD-ROM, on te mettait un jeu pour mettre dans le lecteur CD-ROM. Jusque là, avec dans ton ordinateur multimédia. Comment ça, Twinsen, tu t'es mis une méga race? On jouait à 10 bouts, alors forcément, Miss c'est autre chose quoi. Ah, désolé. Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce petit bouton pour mettre en mute. Si tu veux changer de style, je conseille fortement Gabriel Knight. Ou si tu veux, entre l'enquête et l'humour, le génial Discworld noir. Je crois que je les avais déjà conseillés, désolé si c'est le cas. Non, Gabriel Knight, tu m'en avais pas parlé. Alors Gabriel Knight, je les ai vus chez MV. Je les ai vus chez MV et je pense que je les ai vus chez Mintos aussi. C'est pas un style que j'aime particulièrement quoi. Et Discworld, je suis pas sûr d'avoir déjà vu du gameplay dessus. Ah mais on peut faire le tour, d'accord. Pour rentrer par là. Je vais me faufiler par là et partir à la recherche de Mitch. Et si jamais cette pieuvre se pointe quand tu es parti? Crève-lui l'œil et vole son sous-marin. Stupide pieuvre. Ah oh là là, c'est énorme. Mégaré, c'était un jeu de course, de voiture futur. Oui, bah. Ouais, je me doutais que c'était pas un jeu où tu simulais des comas éthyliques. Effectivement. MV les a fait, les Gabriel Knight. Ouais, il les a fait. Ouais. Je l'ai vu faire les Monkey Island. Alors, il a fait le 1. Il a fait le 1, c'est sûr. Il a commencé le 2. Je crois pas qu'il ait terminé le 2. Et c'est tout. Donc je suis plus loin que lui pour l'instant. Pour l'instant, Tony Hop supérieur à MV. Hein. Tu devrais faire les gobelins de Cocktail Vision. Le petit ego, bah oui.
Moi j'ai un petit ego. Excuse-moi de pas être comme certificateur, de pas avoir un gros ego. Moi j'en ai un petit. Des livres d'enfants. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais ce standard est tellement chic qu'on y mangerait du caviar. Les mecs ils comparent leurs zizi. C'est vide. C'est vide. Ok. Pourquoi il y a une petite musique comme ça stressante là? Des livres d'enfants. Ouais, des livres d'enfants. Ouais. C'est fermé. Parlant d'ego, il y a des Lego. Pourquoi la petite musique qui fait peur là? Hein? Meche? Mani, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir où en était ta traversée, mon cœur. Je suis ton agent de voyage, n'oublie pas. En fait, merci pour la bouteille de champagne que tu m'as envoyée. Tu n'as pas loupé ton coup. Tu allais tomber dans le piège, alors j'ai essayé de t'éloigner. Domino m'utilisait comme appât et je ne voulais pas qu'on t'enferme toi aussi. Tu veux dire que tu es prisonnière? Ou alors que tu partages le lit du directeur? Si c'est ce que tu penses de moi, alors pourquoi es-tu venu ici? Parce qu'il travaille pour moi. Il est sous mes ordres. Je savais que tu finirais par venir. Manuel Calavera s'arrange toujours pour faire partie de l'équipe gagnante, non? J'étais sûr de le voir arriver. Je compte repartir bientôt. Et avec tous ceux que tu retiens prisonniers. Manny, on n'échappe pas à cette île. J'ai bien peur que tu sois obligé de t'intégrer à mon équipe commerciale. J'ai besoin que tu me remplaces ici. Je dois retourner en ville, c'est là que ça bouge. Désolé, Manny, il fallait que je vienne. Je m'ennuyais tout seul dans l'eau. Pas besoin de lui. Putain, Glottis. Je vais te faire regretter ça, tu ne paies rien pour attendre. On verra ça. Mais pour l'instant, je vais te montrer ton nouveau bureau. Fais gaffe, Bibi. Le nouveau patron se réveille. Glottis. Léo Glottis. Léo. Ah. Alors, il y a Manny qui parle. Mais on n'a pas le son, on n'a pas le sous-titre. Super. Oh mais non, mais c'est quoi, je vais tout bugger là? Je préfère mon bon vieux bureau. Pas de tiroir. Et merde. Je ne bouge pas de meubles aujourd'hui. Comme c'est triste. Vraiment, vraiment triste. Et fais quelque chose, sac à merde. Angelitos. Je vais te mordre, croix de bois. Arrête de mordre, s'il te plaît, Pugsy. C'est pour ça qu'on nous a enfermés ici, tu te souviens? Pourquoi voulez-vous me mordre? Tu n'es qu'un méchant. Si Hurley, il dit que t'es plus méchant que lui. Il dit que tu as une scie à os. Tu as une scie à os? Hein? Si vous me mordez, je le dis à vos parents. Nos parents? Ils n'ont pas. Quel connard. Non, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Insupportable, insupportable. Je suis vraiment pas doué. Je m'appelle Manny Calavera. Et toi, petit? Monsieur Hurley nous a parlé de toi. C'est toi qui as piégé notre métier. Pauvre métier. Je n'ai piégé. Qu'est-ce qu'il racontait? Monsieur Hurley devait s'occuper de métier. Et toi, tu lui as volé l'affaire. C'est la vérité? Je vais essayer de tout vous expliquer en détail. Non, c'est long. C'était de vendre des billets de voyage aux âmes en migration. Si j'en vendais assez, je pouvais quitter le pays des morts. Comme j'étais dans les pétrins, j'avais besoin d'une très grosse commission. Ah, la grosse commission. Va-t'en, vilain monsieur. Ouais, fiche le camp. Mais tu es mon ami.
Demandez-lui. Elle nous a déjà parlé de toi. Quand elle prononce ton nom, elle devient si triste. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais tu vas le regretter. Qu'est-ce que vous faites dans cette cage? On fabrique des ampoules. On bosse, et c'est pas de tout repos. Lâche-nous les baskets. En parlant de ça, j'ai des ampoules, moi. Écoutez les enfants, je suis venu vous aider. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de place ici. Tes mains sont trop grandes pour faire des ampoules. Je suis venu vous aider à sortir de cette cage. Tu peux pas faire ça. On doit rester ici et prendre soin de Meche. Elle se sentirait si triste toute seule. Parfois, on l'entend pleurer dans son coin. Mes mains ne sont pas trop grandes pour ce travail. Dans ce cas, aide-nous. Mon postérieur est bien trop gros pour ces petits perchoirs. Ah, mais je vais dire à Meche que t'as dit un gros mot. Je t'avais dit qu'il était vilain. C'est que je n'ai pas d'outils miniatures, voilà pourquoi. Tiens, prends mon marteau. Ah, un Jean-Michel à vous. Dis-moi ce que tu veux, du coup. À vous. La 3. Je suis celui qui délivrera Meche. Je suis celui qui délivrera Meche pour l'emmener loin d'ici. Quoi? Tu peux pas faire ça. Et qui va s'occuper de nous? On va rester tout seul. Ah bah voilà, super, super. Tu fais pleurer les enfants. C'est ça que t'aimes. C'est ça que t'aimes, faire pleurer les enfants. C'est tellement pas sympa. Ah là là, ouais, les pauvres. Bien fait, sale gosse. Quelle indignité. Quelle indignité. Comme je voudrais vous aider. Pourquoi tu ne fais rien? Je suis dans le syndicat des marins, je suis pas un manuel. Je comprends rien à ce que tu racontes. Ça veut dire qu'il refuse de nous aider parce que c'est un vilain. Tout bien réfléchi, je n'en suis pas si sûr. Nous non plus, on ne veut pas. Mais on n'a pas le choix. Vous avez une chouette cage. Monsieur Hurley a élevé des corbeaux démons à tête humaine. Il a dit que si on essayait de s'échapper, les corbeaux nous poursuivraient. Et feraient des nids avec tous nos os. Sympa. Je suis venu vous aider à sortir de cette cage. Tu peux pas faire ça. On doit rester ici et prendre... Elle se sentit parfois, on l'entend. Vous êtes deux garnements. Petite peste. Attendez-moi ici et soyez des braves petits angelitos, d'accord? Ouais. Bon. Du coup, on a récupéré le petit marteau. Et le pequeño martal. Si hablo espagnol muy bien. Je pourrais faire une petite cage à oiseaux si j'avais des petits clous et des petites lattes. Tiens, voilà mon prince charmant. Tu es revenu pour m'insulter ou veux-tu simplement un peu de glace pour ton crâne? Ouf, elle a l'air un peu vénère. Allez, viens, on va se tailler d'ici. Tu veux encore une fois voler ma commission à Domino? Tu ne renonces donc jamais, Manny. Bim! Oh diable, la commission! Je veux simplement qu'on se tire d'ici. Pourquoi tu ne demandes pas un jour de congé à ton patron? Lui, mon patron, tu veux rire? C'est mon pire ennemi. Je crois que c'est ton patron et tu crois que c'est mon petit ami. Notre relation n'est pas basée sur la confiance, je me trompe? Notre relation? Mais depuis quand ils ont une relation les deux? À présent, je sais qu'il n'y a rien entre vous. Je te fais confiance. Là, je ne sais pas si je dois te croire. Il y a une seule chose qui pourrait me convaincre. Laquelle? Donne-moi ton arme. Donne-moi ton arme, bébé. Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis armé? Tu travailles pour l'organisation la mieux armée de tout le pays des morts. Ne me dis pas qu'ils ne t'ont pas donné une arme.
Ils ne m'en ont jamais donné. Ils t'ont pris à l'essai? Tu ne me feras pas avaler ça, Manuel. Manny, reviens donc me voir quand tu seras prêt à jouer franc jeu avec moi, d'accord? Oui. Et à propos du pistolet... T'es prêt à me donner ton flingue? Je n'en ai pas sur moi. Bon. Il faut qu'on parle tous les deux. Je t'écoute. C'est toi, le commercial. J'ai pas mal de choses à expliquer. Économiste, salive. Domino m'a déjà expliqué tout ce qu'il fallait. Tu as pas mal de choses à m'expliquer. Qui? Moi? À quel sujet? Pourquoi tu m'as berné avec cette bouteille de champagne? Tu le sais bien. Pour t'éviter de tomber dans le piège de Domino. Si tu avais réussi à embarquer, tu te serais retrouvé... Ici? Oui. Bah oui, donc bah, ça servit à rien finalement. Pourquoi travailles-tu pour Domino? Si je lui obéis, c'est juste pour protéger les enfants. Pourquoi ces enfants sont-ils enfermés dans une cage? Comme ils ont des ailes, les Angelitos sont les seuls éléments que Domino ne peut pas contrôler. Et s'ils savent voler, libérons-les pour qu'ils aillent chercher de l'aide. Ils ne savent pas voler aussi loin, mais ils savent voler en cercle autour de Domino et mordre très fort. Les petits cons. Pourquoi t'es-tu enfui de mon bureau? J'étais si embarrassée, tu avais l'air si déçu, que je ne supportais pas l'idée de rester davantage. Qu'as-tu fait pendant toute l'année que j'ai passé à Rubacava? J'étais perdue. Mais qu'est-ce que... Je n'ai pas envie de revenir sur cette époque. Domino t'aurait-il fait du mal? Pas autant que je lui en ai fait. Et il sait encaisser les coups, crois-moi. D'accord, j'arrête avec mes questions. Super. Si seulement on pouvait aussi te faire arrêter l'autre colonne. Ah putain. Marin, le parfum est obligatoire. Je ne travaille pour aucune organisation paramilitaire. Tu sais, tu as raison. Des bruits courent sur cette organisation révolutionnaire qui amasse des armes. Eh bien, je suis avec eux. Manny, reviens donc me voir quand tu seras... Et à propos du... T'es prêt à me... Je n'en ai pas... Bon. Écoute, mais... Le temps n'est plus à la parole, mais à l'action, Manny. C'est vide. Notre type d'activité ne génère pas énormément de paperasse. C'est fermé. Vous avez pris rendez-vous, monsieur? Je vais aller voir Domino et lui présenter mes requêtes. Je crois que tu n'as pas bien compris comment fonctionne la hiérarchie ici. Pugsy et Bibi travaillent pour toi. Toi et moi travaillons pour Domino, lequel obéit à Hector Le Mans, le chef de la pègre de la Lamoille. Je crois qu'il est grand temps d'envisager une restructuration. Ok. Il ne semble pas se douter que je suis sur le point de m'échapper. Domino. Domino! Tu prends déjà ta première pause café, Calavera? On a un compte à régler, l'ami. Si un jour j'avais osé parler comme ça à mon chef Hector. Tu as tué mon meilleur ami. Le démon? Manny, on peut se servir d'un démon comme chauffeur, comme messager, comme serviteur. Mais on ne peut pas songer à s'en faire un ami. Ce n'est pas naturel. Ah, l'appel à la nature. Toujours un sophisme qui ne fonctionne pas. L'appel à la nature, jamais. Ne pas utiliser ça. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici au bord du monde? Je me pose également chaque jour la question. Je vais te former, Manny, afin que tu prennes ma place à la tête de cette fabrique d'ampoules électriques. Comment peux-tu enfermer des petits-enfants? Crois-moi, c'est plus facile à enfermer que des grands-enfants. On dirait presque George Stobar, mais en pas sympa. C'est qui? J'ai pas la ref. Pourquoi n'essaies-tu pas de me germer comme à Puerto Zapato? Ce n'était pas moi, c'était Hector. Il n'a aucune imagination, il essaie toujours de régler les problèmes tout seul. Mais je crois cependant qu'en travaillant honnêtement, tu peux être réhabilité. Ah, les chevaliers de Baphomet. Non, pas fait. Qu'est-ce qui t'a fait penser que je vais travailler pour toi? À part travailler, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette île, tu peux me croire. Et quand je serai parti, il n'y aura plus que toi et Metché sur cette île déserte. Pense-y. Ne me dis pas que cette perspective te déplaît.
Je ne compte pas rester longtemps sur cette île. Je possède toutes les armes, je contrôle tous les moyens de transport, et j'ai tous les cerveaux. Que comptes-tu faire? Ça pourrait te plaire. Peut-être. Tu as monté en secret une fabrique d'ampoules avec Hector? Oh non, c'est juste un à côté. Le but final est d'avoir un endroit où nous pouvons enfermer tous mes anciens clients. On ne peut pas laisser les âmes déambuler à leur guise dans ce pays et raconter à tout le monde que nous avons volé leurs billets de première classe. Tu as volé les billets de tous ces gens? Copal m'envoie tous les bons clients, mais avant, il les dépouille de leurs billets pour se constituer un fonds secret. Moi, j'efface les indices et ensuite on fait en sorte que le pigeon tombe dans le vide. À la perle. Je le savais! Ainsi, tous les bons clients étaient pour toi. Oui, tous, sauf Mercedes, dont tu m'as dépossédé et que tu as emmené dans cet engin ridicule que j'ai vu, soit dit en passant, quand je suis allé à Rubacava. Je vais te dire, Manny, ce genre d'engin ne me paraît pas sûr du tout. Bah, tu vois à quoi ça ressemble. La VF est super bossée. Ah non, mais je connais, hein. Je vois la tronche que ça a et tout. C'est des jeux de mon époque, hein. Chevalier de Baphomet. Je vois la tronche que ça et tout. C'est juste que je les ai jamais fait, quoi. Mais non, je vois la tronche que ça. Ce n'était donc pas de ma faute si Meche n'a pas eu de billets. Mais c'est de ta faute si elle s'est retrouvée dans la forêt et non ici. Mais j'ai arrangé ça. Je ferai sortir Meche de ce donjon. Avant que je ne la trouve, elle avait passé un an seule dans la forêt pétrifiée par ta faute. Tu ne trouves pas qu'elle a un peu plus de confort ici dans mon donjon, comme tu dis? Un billet pour toi, un pour Hector, combien t'en faut-il encore? Oh, Manny, on ne touche jamais directement le produit. On vend les billets à des âmes déboussolées, incapables de vivre une vie droite parce qu'elles sont nées avec l'odeur du fric plein les narines. Mais tu pourrais prendre les billets et partir tout de suite. Nous avons réussi à faire du pays des morts un endroit vivable. Pourquoi partirions-nous? C'est vrai que c'est une belle île. Les anciens proprios ne savaient pas ce qu'ils avaient. On a tout eu pour une bouchée de pain. Ils ont exploité tout le corail qui était à portée de grue et puis ils ont abandonné le récif. Mais nous, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir exploiter l'ensemble du récif. Tu ne vas pas me refaire le coup de la réussite en Dilson? Non, l'esclavage, Manny. Voilà la clé de la réussite économique. Bon, je dois songer à préparer l'évasion. Bon courage, petit. Quoi ici? On a juste ça. Ok, c'est pour avoir une autre vision. Ok. Et à propos du... T'es prêt à... Le temps n'est plus à la parole, mais à l'action, Manny. Ok, et ben on va actionniser. Alors, ok. Uh-oh.
Voilà, Glottis, il est là. Regardez, Glottis n'est pas mort. Glottis, tu vas bien? Je me suis fait un peu mal en tombant, mais ça m'a permis de trouver un passage. Je dois t'avouer, Glottis, que je te croyais mort. Oh, Manny, j'ai vécu quelque chose de formidable. Écoute. Aucun moteur n'est capable de résister à l'amour que savent donner ses mains. Apparemment, non. Trop fort, Glottis. Trop balèze. J'ai parié que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé. Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise. Ah ouais, 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 Capitaine Haddock, effectivement. Effectivement. J'ai parié que ce petit bijou... Oh, je l'ai... Ah, quelle joie de le revoir. C'est vraiment le plus petit marteau que j'ai jamais vu. Ah, c'est clair. Hein. Hé, hey, tu veux un marteau? Peut-être après le dîner, si j'ai quelque chose de coincé entre les dents. C'est clair qu'il est, il est pas très je grand. Je pourrais faire une petite cage à oiseaux si j'avais des petits clous et des petites lattes. Bon, a priori, c'est pas par là. Non, 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 mais non, oh là là. Oh, ok, ce que c'est chiant. La la. Non, pas par là. Allez. Donc faut que j'arrive à choper l'encre. Allez, avance. Avance, Manuel. Est-ce que, où est-ce que je peux aller? Par là. Ok. Là, je remonte dans le bazar. Alors, voilà lui. Oh, oh, bah, Osez vos outils! On va se tirer de... Ah, si Terry m'avait redonné son fameux livre, on pourrait vraiment faire un trou. Pourquoi je devrais... Cupido, c'est qui? Oh, c'est vous! Nom d'une pipe! Regardez mes sourcils! Eh bien, vous n'étiez pas dans un endroit très sûr. Pas plus que vous en ce moment, amigo. Relax, on va se tirer d'ici vite fait. Oh, on a fait la route ensemble. Je travaille en solo, l'ami, et je marche seul. Je marche seul. Mesh, c'est un burin autonome à moteur alternatif grande vitesse. Et regardez, c'est un super pro. En général, on ne les confie pas aux débutants. Mais vous, vous en avez un? J'ai les relations qu'il faut. Et j'avais un peu de butin à écouler. Ici, sur la barrière de corail, tout se monnaie et s'échange. Du butin? Et d'où venait-il? Il y en a plein au fond de l'océan, bijoux, louis d'or. Vous ne remarquez jamais rien dans vos stupides bateaux. Vous ne prenez pas le temps de regarder. Donnez-moi un peu de butin et on pourra partir d'ici. J'ai tout donné pour ce trésor. Vous avez échangé des pierres précieuses contre un burin? C'est un super pro! Je veux échanger quelque chose. Ça tombe bien, le troc c'est mon truc. Et que le troc c'est mon truc. Un pistolet. Mon estime. À boire, un pistolet. Mon estime, un bateau. Un pistolet? Oh, c'est dans vos moyens. Combien avez-vous? J'ai ma faux. J'ai ma faux. Vous seriez prêt à vous en séparer? Non. Quand vous aurez une chose valable à échanger, revenez me voir. Ça vous fera du bien. C'est qui? Oh, c'est vous. Quoi?
Cet outil est un peu trop puissant pour vous. Trop puissant? Rien n'est trop puissant pour moi. Trop puissant. Si vous le dites. J'ai encore une langue. Je ne vous retiens pas. Chapitre. Quoi? J'ai encore une langue. Je ne vous retiens pas. Ça doit être plein. Eh, il a dit un gros mot. Bibi. Bibi, il a dit un gros mot, le monsieur. Yo, Peter, as-tu déjà vu un vrai piolet? Un piolet? Non, jamais. Mais ça me tenterait d'en essayer un. Dis, piolet, tu me bottes. Oh, Nathalie. Chapito. Ah, arrête. Et la grosse pieuvre, elle a peut-être de la conversation. Oh, comme vous avez raison. Je suis sur Insta et je discute avec Georges. On va sur le Mississippi. D'accord. Oh, Nathalie. On va voir Miss Lisa. Mieux. Ce petit marteau lui semble plus approprié. Chapitre. Ah, arrêtez de hurler. Qu'est-ce que je peux lui dire encore? Mais vous, vous en... J'ai les relais, je vais ici. Et la grosse... Oh. Osez vos outils. On va se... Ah, si on va sur le donner son fameux livre, on pourrait vraiment faire un gros ici. Et ça, ça me ramène ici. D'accord. Avec mon pote le piolet. Ah, c'est marrant, je peux pas ouvrir mon inventaire ici. Super pro. Je ne veux pas casser ça. Je ne veux pas casser ça. Je ne veux pas casser ça. Ah. Non. Hop là. Je comprends pourquoi il ne donne pas ses burins au nouveau. On a tout défoncé. Quel génie. Quel génie. La peine a compris la leçon. Je ne veux pas casser ça. Non, bah non, t'as juste tout déglingué, c'est tout. Donc là, toujours rien. Ça ne se manœuvre pas à la main. Alors, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé.
Ah. Ah, bonjour monsieur Tonyob, comment allez-vous? Bien et bonne année, surtout la santé, c'est important la santé, toujours des hémorroïdes en parlant de cela. Tu sais que je pourrais faire en sorte qu'on te retire ton diplôme de médecin pour non-respect du secret professionnel là. Ah. Ah. Tu ferais moins ton malin là. Hein? Dis donc. Rolala, rolala, bah non pas rolala, c'est important le secret professionnel. Merde, c'est pas le bon côté. Je prends tes nouvelles en toute innocence. Ah bah c'est ton deuxième prénom, non, c'est ça? Toute innocence. Non? Je sais plus. Je sais plus. Il me semble que c'est ton deuxième prénom, toute innocence. Mais oui, sinon ça va, et moins pire année à toi, même si, bon, a priori, ça commence pas de ouf de ouf. J'espère que le reste de l'année sera quand même mieux. Voilà, monsieur certificateur, pour mes voeux. Pour cette année. Allez, remonte. Non, remonte. You can do it. Hop. Oh. Ouais, bonne année grand-mère, ouais. Ouais. Comme tu dis. Quoi, oh. Comment ça, oh. C'est ce que Mini chante en boucle depuis samedi. Ah bah bravo. Peut-être que lui, il va le vouloir, le marteau pilon là. T'en veux un comme ça? Oh, j'aurais eu moins de mal à l'ouvrir avec ça qu'avec ma tête, mais c'est trop tard maintenant. Oh là là. Glottis. Il a tout ouvert avec sa tête. Allez. Comment que je fais moi maintenant là? Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fais. Il y a la chaîne qui est là. Si je tire sur le levier, qu'est-ce que ça fait? Ouais, forcément ça marche pas. Ah, c'est le bordel en fait.
tu ifi quelque chose à la chaîne. J'ai pas compris. Non, non. Fallait le faire plusieurs fois. Ah, Chanifi. Chanifi. Blague. I've got it. C'était mauvais. Ouais, non, non, ouais, non, non, c'était mauvais. Voilà, je suis un peu en retard, mais c'est mérité. Hop, et là, manipulation. À le faire flotter. Oh, c'était du gâteau. Le plus dur sera de franchir cette grande barrière de corail là-bas. Franchir la grande barrière de corail? Ok, donne-moi une minute ou deux. Alors, t'as trouvé un moyen de franchir? Non. Non. J'attends les autres pour embarquer. Oh, il n'a pas été facile à mettre à l'eau. C'est déjà fait. Ah, Bibi la diva qui a récupéré, qui a claqué ses coins pour récupérer la meilleure chose au monde, un thé comme Tony Hobb. Eh bien, c'est maintenant. Thé comme Tony Hobb. Voilà. Et un R comme Rabia. Attendez, il faut que je coupe le son du jeu parce que sinon on n'entend pas. Et un R comme Rabia per certificateur. Merveilleux. R comme Rabia. Hein? Ah merde, ça marche pas. Ah, ça sort sur game, cette connerie. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. Hillary. Clinton. Vous l'avez entendu ou pas le R comme Rabia, vous? Ah, moi je l'ai pas eu. Moi je l'ai pas eu parce que j'ai coupé le son du jeu et donc du coup je l'ai pas eu. Mais vous, vous l'avez. D'accord. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc faudrait que je le fasse sortir sur système en fait. Ah, ok, bon je note. I note. Attends, on recommence. Ah, certificateur qui récupère un R comme Rabia. Et bah c'est parti pour R comme Rabia. R comme Rabia. Voilà. Beau hein, c'est beau. C'est fait avec amour. Ah là là, on rigole hein. Qu'est-ce que... Non mais arrête avec cette, ce truc là. C'est nul. Est-ce que je peux pas me barrer? Bah oui. Est-ce que je peux pas me barrer en plein milieu? Il a claqué tous ses coins. Quoi? Il avait seulement ça comme coin? Je ne peux pas me dégager, il n'y a pas d'échelle. Quelle indignité. Il avait que ça comme coin, franchement je suis... Je suis déçu, déçu. Hein. Tu es content d'avoir flambé tes coins? Eh bah écoute,
Écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Il a pas apprécié le sarco. l'autre, indignité toi-même. Pourtant. Quelle indignité. Meilleur quoi. Préférez celui-là. C'est honteux. Vous préférez ça. C'est honteux. Ouais. Ça me va aussi, hein, mais. C'est honteux. C'est honteux. Je suis pas prêt de venir manger du risotto. Et bah, gardez-le, votre risotto là. Votre risotto de riche là. Hein. Gardez-le. Sélectionner. On peut leur donner. Ok. C'est marrant parce qu'il dit Oh Nathalie et c'est marqué Oh Virginie. Bon, on va défoncer la cage, hein. Non ? Ah mais... et allez mordre Domino. Fiche-nous la paix. Et si on me sauve, il se vengera sur Metche. Bon, d'accord, restez là. Quel méchant. Ah, je pouvais juste faire ça en fait. Dernière chance. Couche caca. Couche caca. Bon, d'accord, restez là. Quel méchant. C'est la porte de la cage. Dernière chance. Couche caca. Couche caca. Bon, d'accord, restez là. Quel méchant. Et si je sélectionne ça. Et déjà on met un grand coup dans la porte. C'est du lavage de cerveau vu que la cage est ouverte. Et les marmots, tenez, voilà une scie à os. Ça y est, je les ai traumatisés. Je ne veux pas casser ça. Et le marmot, mais voilà une scie à os. Oh, quel salaud. C'est toi qui a sélectionné le truc tout à l'heure pour les faire chialer, là. Mais arrête, toi. Il s'est arrêté. Ils se sont arrêtés les deux là. Hola, Angelitos. Bonjour, monsieur méchant Nonos. Hé, hey, l'un d'entre vous aurait-il par hasard un revolver? On en a un. Alors, où les mains? Je voudrais le voir. Il en a même pas, il fait que mentir. J'ai jamais vu un empoté comme toi. Tes ampoules ne marchent pas. Ah, tu fais plus rire personne, Pugsy. Ouais, je croyais que tout le monde avait de l'humour dans cette cage. Tout le monde sauf toi. Ouais, parce que je suis bien plus futé que toi. Dans tes rêves. Oui, ils vont se casser la gueule. Pipi au lit, on joue pas les durs. La ferme. Petite vessie. J'ai dit la ferme. Il en a marre de devoir dormir avec un parapluie sur la tête. Ah ouais, mais moi au moins j'ai jamais demandé métier en mariage. Wow. Mademoiselle Colomar, voulez-vous être ma femme? J'ai jamais dit ça. Mademoiselle Colomar. Le petit bébé qui fait toujours pipi au lit. Pugsy, il lui faut sa moumoute et son mimi. Vous allez vous taire, oui ou non? Putain, on aura passé notre temps à les faire chier. Mais c'est chiant ce jeu, t'as pas un congèle? Non, y'en a pas. Hola, Angelitos. Bonjour, monsieur méchant Nonos. Attendez-moi ici et soyez des braves petits Angelitos, d'accord? Ouais. Dernière chance. Couche caca. Couche caca. Oh, rigolo. Oh rigolo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils
Je ne bouge pas de meubles aujourd'hui. Et on va pas le bouger, on va le détruire. Regardez ça. Je vais mettre un grand coup là-dedans. Je ne veux pas casser ça. Merde, dommage. Ok. Je ne veux pas casser ça. Je ne veux pas casser ça. Ok. Je ferais mieux de me renseigner d'abord. Et alors, à propos du... T'es prêt à me... Je n'en... Écoute, mais... Le temps n'est plus à la parole, mais à l'action, Manny. Vous avez pris rendez-vous, monsieur. J'y vais à... Je crois que si, toi et moi... Je crois que... Je vais lui mettre un grand coup de... Hop. Remets ça à sa place. Merci. Lui, il a un flingue, par contre. Je n'ai absolument rien à lui dire. Bisous au dodo. Et bah, bonne nuit. Repose-toi bien. Oui, dodo, j'ai plus rien à faire ici. J'ai plus de coin. Justement, justement, les coins, tu les as en regardant le stream. Donc si tu t'en vas, t'en auras toujours pas. Donc laisse le stream laisse le stream allumé et comme ça, tu continueras à avoir des coins. Et ouais. Absolument. Mais voilà, merci d'être passé. Merci, merci pour tes vœux. Et puis bah bonne année à toi également. Ok. Ah, un truc là. Bon, les gamins, je leur ai fait peur. C'est quoi un bolique? Ok, diabolique. Faire. Vous en avez un du butin? D'où il venait? Du butin? Il y en a plein où vous ne remarquez jamais. Vous ne prenez pas le temps. Je veux, ça tombe bien, que vous faudrez. Boire. Les boissons ne sont pas. Mon estime. Mon estime. Ça, je ne peux pas. Redonnez. Quoi? Il a basculé. Ah, mais non. Ne vous approchez pas. J'ai vu de non. Ils essaient de faire demi-tour et de jeter l'ancre. Et si fort qu'on ne. Un bateau. Mais vous savez que je les déteste. Une serviette. Hey, drôle de moustique, tête de crêpe. Et une paire de très beaux bas de soie. Ah, voilà enfin un article de valeur. Je pourrais vous en obtenir, mais vous devez savoir que c'est trop cher pour vous. Ah, je ne vois rien d'autre à échanger. Vous avez peut-être un couteau ou des revues. Vous en avez ici? Non, j'ai pratiquement tout, mais pas ça. Donnez-moi un peu. J'ai tout. Vous avez. C'est un. C'est marrant parce qu'il l'a plus en fait, mais il continue à dire c'est un super pro quoi. Mais vous, j'ai les. J'avais un ici sur. Je veux. Ça tombe bien que vous. Ah, je ne. Vous avez. Vous en avez. Non, j'ai pratiquement tout. Mais du plus, il y en a. Vous ne. Vous ne. Et la grosse. Oh. On va sur le Mississippi.
Voilà. Allez, l'animation, c'est loin, c'est loin, c'est long. Ok, sauvegardons avant de faire des conneries. Je peux pas mourir. Ok, je peux plus descendre. Bon. J'allais dire, je perds. Ma main disparaît, mais ouais, elle disparaît derrière le micro en fait. Espèce de débile. Je peux. Réutiliser ça. Je ne sais pas, peut-être. Allez, Mani. J'ai déjà essayé. Ah, tout qui est bleu. Ah oui, c'est juste ce qu'il faut. Attends une seconde que je réfléchisse. Tu me le jures sur ton ennemi de graisse? Je vais éviter la hernie. Glottis s'en occupe en ce moment. Glottis qui réfléchit. Moi j'ai peur, hein. Ça me rassure pas. Est-ce qu'on va pas pouvoir rentrer dans le trou qu'on a fait? Parce que là on a fait un trou. Et maintenant? On va pas pouvoir rentrer en y passant. Quoi ? Pourquoi on voit rien ? Non, il se passe à rien. À moins que plus bas. Non. Allez. Allez, remonte. Oh là, c'est chiant. Elle est chiant le jeu. Hop. Voilà, faut s'éloigner pour revenir. C'est génial. C'est génial, c'est tout bugué. Ok, cette animation qui ne sert à rien. Ouais.
D'accord, c'est pour aller directement d'un point à l'autre. Ok. Quit. Coucou Séverine. Comment vas-tu? Ok, ça revient là. Non, non, mais non, 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 mais non, non. Non, l'animation longue là. Oh là là, c'est chiang, c'est chiang. Ah, sans merde. Posez vos outils, on va se tirer. Ah, si Terry m'avait redonné son fameux livre, on pourrait vraiment faire un truc ici. Comment vont mes... T'es venu nous libérer. Et j'y crois. Attendez-moi ici et soyez des... Ouais. Dernière chance. Rebonsoir. Alors c'est un rebonsoir qui veut dire je reviens ou qui veut dire je repars. De nouveau. Je te regarde depuis mon lit, tu y crois toi? Non, tu bluffes. Il est même pas 23h. Impossible. Des livres d'enfants. J'aime faire la lecture aux Angelitos. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et à propos... C'est pas... Le temps n'est plus à la parole, mais à l'action, Manny. C'est fermé. C'est vide. Notre type d'activité ne génère pas énormément de paperasse. T'as claqué tous tes coups en jingle, certificat... Exactement. Non mais pour de vrai en plus hein. Pour de vrai. Il a tout claqué. Il faut dire qu'il en avait pas beaucoup. Bon. Là il y a Glottis qui est en train de... qui est en train de s'occuper des machins trucs là. Après, Tony Hobb est un peu radin sur les coins. Alors c'est... Ah non. Non. Les coins, moi j'y peux rien. Moi les coins, c'est Twitch qui te les donne. C'est Twitch qui te les donne, moi j'y peux rien. Par contre, très bonne technique qui fonctionne pour de vrai. Là vous allez croire que c'est encore du troll. Si vous voulez obtenir plus de coins, faut être plus souvent sur le stream, discuter plus, ou sinon, sub à la chaîne. Quand tu sub à la chaîne, sub 1, c'est 1,2 fois, sub 2, le tiers 2, c'est 1,5, et sub tiers 3, c'est 2 fois plus de coins. Donc voilà. Donc faut voilà, soyez malin. Soyez malin les enfants. Et si vous voulez plus de coins, faut participer à un max. Et puis il faut se battre la chaîne quoi.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Voilà, je peux pas vous donner de meilleure technique que subber à la chaîne. Arrête de nous racketter là, mais je rackette personne, je force. Je ne veux pas casser ça. C'est pas pareil quand même. Faire du forcing et faire du forçage, du gros forçage et blablabla et bla. Non, déconne pas, je vais te ban pour répétition. Oh, ça fait chier, hein. Bah, arrête ça tout de suite, hein. Putain, je suis avec un forceur, mais c'est que maintenant que tu t'en rends compte. Qui kiffe Sarko? Quelle indignité. Il peut pas sauter là-dedans? Non, il peut pas sauter là-dedans. Bon. Attendez, moi je vais tout y défoncer là-dedans. Ah, c'est pas le rocher qu'on voit en fait, c'est la mer. Oh. Ils ont déjà mal, inutile de leur infliger en plus les sévices de Super Pro. Ok. Et voilà, vu qu'on en parle des subs, et ben sub ça fait plaisir, ça permet de soutenir la chaîne, mais vous pourrez également utiliser les magnifiques emotes tels que Tony Hop Love. Et ben honnêtement, je trouve que c'est le truc le plus intéressant que Certificator ait dit sur la chaîne depuis très longtemps. J'essaie d'être malin. Oui, c'est pas facile. Pour avoir des coins faciles. Mais non. Toi, tu es sub, effectivement. Et donc, tu gagnes plus de coins que Certificator. Voilà. C'est ça qui est chouette. Je me fais chier. Et quand on se fait chier, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait chier? Hop, et ben on tape des trucs. On tape des trucs sur son clavier. Il tape sur son clavier et c'est numéro 1. Le saviez-vous? Voilà. Comment dire? Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Putain, j'ai été bon. Hein. Putain, j'ai été bon. Hop, hop. Oh là là. Tu nous dis si on te fait chier. Mais non, c'est pas ça. J'étais en train de regarder une putain de Solus Discretos. Et tu casses tout là. C'est fou ça. On peut plus mettre les Solus tranquilles. Quoi sans moi? Ah bah je savais pas que t'étais encore là. Hein. Sorry not sorry. Des fois j'ai l'impression que Tony va friser mais non. C'était pas discret. C'est pas vrai, c'était très discret. J'ai cru que Montel avait planté. Oh là là. Oh les mauvaises langues. Vous avez vu comment vous êtes, hein. Moi je me démène. Je me démène pour vous.
pour vous entertain. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Bah dis donc. Vous avez vu, ça clope, hein. Faut que j'ai le bon timing. Mais non, mais oh là là, mais direct. Et je ne pique des cendriers que dans les bars. J'ai pas compris. Ah, Séverine. A récupéré un thé comme Tony Hobb. Quelle personne de qualité. Bah c'est parti. Thé comme Tony Hobb. Voilà. Shit. C'est la seule de valable que j'ai pu trouver ici. Tu ne peux pas savoir à quel point il est difficile de trouver du beau tissu et des bas de soie. Sur cette maudite île perdue au bout du monde. Oui, j'imagine. Bon. Allez. À ce moment là c'est quand qu'il faut le faire, c'est ouf. Maintenant et merde, bah faut que je regarde. Je suis bientôt ruiné à Twinsen. Twinsen a récupéré un R comme Rabia. Merveilleux. C'est le meilleur. R comme Rabia. Hop. Non mais si... Je pige pas le timing. Hein. Je pense que je vais aller voir un streamer chinois. Hein? Pourquoi? C'est fabuleux. Du génie, exactement. Exactement. Ah, ça y est.
Ça y est, c'est cramé. Bah, ils sont fichus. C'était ma plus belle peur. Pas facile de conserver quelque chose de correct sur cette île. Parce que tout est trop cher ici. Ah, donc les Chinois c'est moins cher, c'est ça? Ouais, super. Parce que ici c'est cher, mais chez d'autres c'est raciste, ça hein? Ça me convient très bien. Quoi ça? Oh, la vitesse à laquelle tu travailles. Merci Manny, mais comme tu n'es pas mon patron, je m'en fiche royalement. Bien, excellent, continue. Alors, j'ai beaucoup fait rire mes copines. Tu leur as montré? Tu leur as montré les R comme Rabia et les T comme Tony Hobb. Ou t'as fait autre chose. Oui, c'est le quota viewer raciste. Putain. Oh, encre rouillée. Ah, ma douce Marie, on va voir Miss Lisa. Évidemment que j'ai montré. Elles ont payé? Elles ont filé des coins? Où les avez-vous trouvés? Je les porte en permanence sur moi. Vous aussi, c'est-à-dire. Voici votre nouveau meilleur ami. Ah, mon premier Germinator. Il est chargé? Non. Hey, les balles sont précieuses. Ça n'a pas grande utilité sans munitions. On va sur le Mississippi. Ah si, je vais pouvoir leur filer à ma copine. Comme le tonton raciste. C'est pas joli, hein. Pas très joli, joli, hein. Y aura-t-il un S comme Séverine? C'est vrai, ça? Est-ce qu'il y aura un S comme Séverine? Possible sans confiance. T'as raison. Une relation sans confiance est à peu près aussi vide qu'un revolver sans balle. Tu as oublié que les filles malines en conservent toujours sous leur chapeau. Au cas où, allez, avance. Mais tu ne sais pas quelle. Je sais exactement ce que je fais, alors avance. Bah, dis donc. Au moins, quel est mon plan d'évasion? Tu as Fifi au paradis? Laisse-nous filer, Robinson, ou ton vendredi va déguster du plan. Ça me fend le cœur de te voir partir, Manny, mais. On dirait que ta souris ne rigole pas. Je n'hésiterai pas à tirer. Parfait. De toute façon, il ne travaille pas pour moi. Mais je croyais... Alors ce sera toi. Tu n'en feras rien. Tu as une âme pure, pas vrai? C'est faux. Je suis devenue mauvaise. Quand on enferme quelqu'un, il devient forcément mauvais. Je vais te briser comme un vase made in Taiwan. Je vais... Chouette, cette môme. C'est un vrai volcan. Mais en général, une nuit au trou suffit à la calmer. Putain, la coupure entre la vidéo avec les textures dégueulasses et là avec les trucs HD quoi, enfin les personnages du coup qui sont en 3D, ça fait mal hein. Merci de penser à moi et à Bibi. Mais Tonya n'a que pour Rabia. Oh là là, c'est cliché là. Domino. Hey Manny. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste pensé qu'elle avait besoin. Je dois songer à... Du coup, ce sera un C comme couple Tonyob Rabia. Alors, pour ça, faudrait qu'on arrive... pour ça, faudrait qu'on arrive à prendre une photo où j'ai Rabia dans les bras. Et autant dire que c'est pas gagné. Hein. C'est du charabia, je capte rien. Mais tu sais qu'elle s'appelle, elle s'appelle Rabia justement pour ce jeu de mots. Elle s'appelle pas Rabia pour rien. Hein. Elle s'appelle Rabia parce que Charabia quoi. Des livres d'enfants. C'est fermé. Je te préviens, Domino. Laisse-moi sortir. Ça doit être une serrure à combinaison, mais il n'y a pas de numéro. Ce pauvre Dom n'a jamais été doué pour les chiffres.
une serrure à combinaison, mais il n'y a pas de numéro. Ce pauvre Dom n'a jamais été doué pour les chiffres. Je t'appelle bien, Domino. Je vais me fâcher. Bugsy! Je vais me fâcher. Si on y va à la bourre. Hein. Je ne veux pas trafiquer ces trous, ces trous est mon ami. Je suis ici. Bien filmer avec toi et faire un arrêt sur image, tu auras une photo. Non mais Rabia, elle accepte pas qu'on la prenne dans les bras. Du coup, moi, je m'en fiche. Je vais me faire le jingle des super nanas avec mes copines. Ah ouais! Oh, mais trop bien! Trop bien. Tu seras Bulle, Belle ou Rebelle? J'aurais dû te faire confiance. Bises, à plus. Et bah, bisous, Certificator. Et merci. Merci pour tes petites bêtises. C'est toujours à... Voilà, on en blague. Mais c'est toujours apprécié sur le stream. Des bisous. Des bisous, merci. Je vais me fâcher. Je peux passer par derrière. Comment vont mes bras? T'es venu nous les... Nouveau plan. Métier et boucle et pour de bon. On part sans elle. On ne partira pas sans métier. Alors ça y est, Rochial. Rochial. Tu connais tes classiques. Non mais attends, les Powerpuffs quoi. Rendez-moi ici et soyez des braves petits anglitos, d'accord? Ouais. Et bah bisous Cactus, merci aussi d'être passé. Dernière chance. Couche caca. Oh couche Camille, il répète couche caca. De toute façon je pense que je vais pas tarder. Restez là. Quel méchant. Je pense que je ne vais pas tarder. Bonne nuit. Et à très bientôt. Ça va pas avancer du côté de Glottis. Est-ce que... Est-ce que maintenant justement, faudrait pas... Non, ça sert à toujours à rien. Ok. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, je me donne 5 minutes et puis dans 5 minutes, si j'ai rien trouvé, ça sera au dodo. Avec mon pote le piolet. Je vais donc. Arrête. Et la grosse. Oh. Je vais donc. Arrête. Mais vous, j'ai les rochers ici. Je veux chanter. Attends, et que vous faites? Ah, je vous avais. Vous en avez. Non, j'ai pratiquement. Et la grosse. Oh. Ok, c'est pas ça non plus. On va sur le Mississippi.
On va voir Miss Lisa. A priori, c'est là. Les chiffres, ça a jamais été trop son truc. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un indice quelque part? Je n'ai absolument. Il ne semble pas se douter que je suis sur le point de m'échapper. Il y a les bouquins. Ce sandar est tellement chic qu'on y mange. Je ne pique des cendriers que dans les bars. Ok. Truc, il y a la chaise. Des livres d'enfants. Ah, maintenant, a besoin de moi. C'est moi, Mathieu. Je suppose que ce n'était pas la bonne combinaison. Je suis ici. Bibi. Oh, je pourrais crocheter ça. Je suis ça. Ici. Si seulement je n'avais pas perdu ma carte de syndiqué au poker. Manny. Ah. D'accord, ok. Laisse-moi sortir! Je ne pointerai plus mon revolver sur toi, promis! J'ai dû frapper un circuit important. Je suis ici! On dirait que j'ai mis les boyaux à nu ici. Ok. Je ne veux pas casser ça. Il s'est passé un truc là-bas, hein. Des livres d'enfants. Non, mais il me semblait que j'avais vu quelque chose bouger. C'est fermé. Non, là il s'est rien passé. J'avais vu quelque chose, mais j'ai peut-être déliré. Ce sont les gorges de la serrure à combinaison. Impossible avec mes seules mains, j'ai besoin de la roue. Je ne peux pas les retirer, elles sont fixées à une sorte d'arbre. Je suppose que ce n'était pas la bonne combinaison. Ah, on voit maintenant. D'accord. Ok.
Ah. Ok. Ah. Ça encore. Non. Il est un peu décalé. Comme ça. Mais merde. On va l'opposer, ça. Non. Ça. Bah non, parce qu'il il retourne quasiment aussi. Alors, faut que il soit quasiment au même endroit. Voilà. Voilà, qu'il soit un tout petit peu décalé, comme ça. Ah non, d'accord, il fait plus que ça. Tout à l'heure, j'y étais presque en fait. J'ai fait le con. Ok. Oh, mais merde! Alors, c'est. Peut-être ça, il repart peut-être tout le temps au même endroit. Il repart quand il est comme ça. On va essayer ça. Hop. Eh bien non. C'est infernal ce truc là. Bon, Solus. Comment ça marche? Tournez la roue de façon à ce que les crans soient alignés avec les jointures de la porte. Super. Ah là vous... Ah là, vous m'aidez, hein. Ah, vous m'avez bien aidé, là. Ah, ça, ça c'est de la Solus M. Non, elle est con. Ah.
Les morceaux marrons ont une forme de C. Ah oui, j'ai vu. Ah, ou alors faut juste faire comme ça. Ah ! Hop. Ah, l'autre va commencer à tourner. Voilà, d'accord, ok, j'ai compris. Merde, merde. Voilà. OK. Que je les avais si bien identifiés et tout ça. Putain. Bouge pas. C'est bon, Mitch. Tu peux sortir maintenant. Mitch? Elle est où? Mitch? Allô, Mitch? Allez, et bah Mitch, t'as quoi? Mais tu sais, on verra ça la prochaine fois. Hop. On est où? Eh, on approche de la fin. Hein. On approche de la fin. Voulez-vous quitter le jeu? Oui.